Allez. En plus, ça glisse. Hop, le câble est dans la main. Voilà. J'ai le vertige, mais tout va bien. Bon, ça a l'air d'aller. À part que ça glisse. Là, c'est un peu plus chaud. Enculé, ça. Voilà. Bon, ça va. Finalement, la montée est plus raide que le passage. Comme pensé, assez chaud. Voilà, on a vu quand même. Bon, on n'est pas au lac encore, mais on n'en peut plus. On a monté que ça. Voilà. Le petit bibi est monté. La tête dans les nuages. C'est beau, hein? C'est chaud, mais c'est beau. Tiens là quand même. Ici, ici. Allez. Putain, ça dure en plus, quoi. Oh, putain. Ouais, tranquille. Tranquille, ça se fait le lac. Y'a pas de soucis. Une heure et demie, deux heures. Ah, ça se fait, oui. Moi, je reste là-haut. Donc... On va arriver. Où est le 3h? On va rien voir. Parce qu'il y a la brume qui monte. Au lieu de disparaître. Voilà. On voyait le fond tout à l'heure. C'est la mer 12. Allez, on continue. Et au bout de 2h30 de marche, dont une heure et demie de montée, voilà, si on a un problème, il n'y a que ça pour nous sauver. Donc, voilà. Oh putain, je le vois. 2h30. 2h30. Et nous voici. Après 2h30 de marche. Dont 1h30 de montée, au moins. Et le reste, c'est pas plein. Hein. Mais monter, ça veut dire monter à grippe. Ça monte. Et on nous dit, on n'a pas le droit de se baigner. C'est quoi cette honte? Et par contre, nous sommes tout seuls. Avec un réveil à 5h, un départ à 6h de la... Oh putain. Voilà les amis. Ce qu'on peut voir après 2h30 de marche. Allez, on va en profiter maintenant.